Bonjour, chers élèves de CE1, deuxième année primaire. Je vous présente l'arbre Homo, qui est l'activité. Alors aujourd'hui, on va voir des exercices à corriger ensemble. D'accord? Allons-y. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir la correction de 5 activités. Vocabulaire. L'alphabet. En prenant la page 4 de l'arbre Homo, cahier d'activité pour CE1, on va découvrir ensemble ces activités de vocabulaire. C'est l'alphabet. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. A jusqu'à Z. Dans l'alphabet, il y a 6 voyelles. Par exemple, A, E, I, O, U, Y. Toutes les autres lettres sont des consonnes. B ou C, D, F, G, H, etc. L'ordre dans lequel les lettres sont rangées s'appelle l'ordre alphabétique. Alors, première activité, colorie les voyelles. Vous allez tout simplement colorier les voyelles. Par exemple, A. Par exemple, E. Par exemple, I. Par exemple, E. Alors, A, E, I, O, U, Y. Deuxième activité, c'est vraiment facile. Voici des morceaux de l'alphabet. Étoile de l'alphabet ci-dessus, ici, pour écrire les lettres qui manquent. Je vous donne un exemple. A, B, oui, qu'est-ce qu'on doit mettre ici? C et D. G, H, I, J. G, H, I, J. I, J, K, L, voilà. Q, R, S, etc. Troisième activité, c'est vraiment facile aussi. Indique la place de chacune des lettres suivantes dans l'alphabet. Exemple, B, c'est deuxième lettre. Par exemple, T, c'est bien sûr c'est quatrième lettre. Et F, c'est cinquième lettre. Et les autres aussi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez indiquer la place de chacune des lettres suivantes dans l'alphabet. Indique la lettre qui correspond à cette place dans l'alphabet. Alors, cinquième lettre, c'est quelle lettre? Troisième lettre, c'est quelle lettre? Première lettre, c'est quelle lettre? Voilà. Première lettre, par exemple, c'est A. Troisième lettre, c'est C. En ordonnant les lettres trouvées dans l'exercice numéro 4, ici, tu découvriras le nom d'un objet que tu ranges dans ton cadavre. C'est-à-dire, tu vas répondre d'abord, tu vas répondre à cet exercice, hein, indique la lettre qui correspond à cette place dans l'ordre alphabétique, et tu vas tout simplement mettre en ordre les lettres pour construire un nom. Ou un mot. Et ce nom, c'est un nom d'un objet. C'est un nom d'un objet que tu ranges dans ton cartable. Alors, c'est quoi? Qui commence par A. Est-ce que c'est une ardoise, par exemple? On ne sait pas. Alors, d'après l'exercice numéro 4 et les lettres trouvées ici, en mettant en ordre, tu vas tout simplement découvrir hein, le nom d'un objet que tu ranges dans ton cartable. Alors c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo.